Foufou Fiotu, mes abonnés préférés, coucou Prophète, coucou Alfast. Coucou. Coucou. Est-ce que mes chauffeurs préférés vont bien? Oui. Oui. Parfait. YouTube, est-ce que YouTube va bien? N'oubliez pas le pouce bleu, je le dis en début de vidéo, à ce qui paraît ça marche mieux, parce que souvent vous oubliez. Je vous vois, je le vois après. Ça fait beaucoup de vues, ça fait pas de pouce bleu, je me dis, ils auraient pu mettre un pouce bleu quand même. Bon, concours Instant Gaming, vous connaissez, aujourd'hui ETS, gros voyage. Alfast nous a prévu un bel itinéraire sans autoroute. On a, écoutez bien... 1900 km, 35 heures. Donc cette vidéo, évidemment, sera coupée, évidemment. Bref, on a des chauffeurs poids lourds ce soir. On parle un peu de réalité, RP, etc. En gros, j'ai pas le droit d'avoir autant de lampes, etc. C'est un peu insolent. Mais normalement, il y a quelque chose, messieurs les chauffeurs poids lourds, qui doit vous faire tiquer directement. Et est-ce que mes chauffeurs de poids lourds amateurs l'ont vu? Alfast, qu'est-ce qui n'est pas réaliste chez nous? Le covering. Bah pourquoi ce serait pas un covering, par définition, c'est censé ne pas être réaliste. Si, tu peux le covering, ça, dans la vraie vie. C'est pas le covering. Ouais, mais... C'est du covering, c'est comme les wraps sur les voitures. Bah ouais, si, bah c'est bien sûr que si, je suis sûr, tu peux le faire. Tu l'achètes oui, en rouge. Oui, oui, tu peux le faire, oui. Donc non, c'est pas ça, c'est faux. Tu seras tapé pour ça, c'est pas ça. Prophète ? Prophète, tu devrais le savoir, toi. Toi qui as le permis poids lourd, tu devrais le savoir. Après, c'est différent entre le poids lourd et le super lourd. Non, Prophète, mais pas bon, d'excuses, pas d'excuses, Prophète. T'as peut-être raison, mais est-ce pas d'excuses. Y'a pas d'homologué là sur le camion. Merci, Flo Flo. Qu'est-ce qui. Il manque un truc pour que ça soit réaliste. Bah, déjà, il manque le petit affichette angle mort là déjà. Oh, il est fort. Bah, je parlais de ça justement. Ah, bah, ouais. Bah, ouais, t'as pas fait gaffe. Tous les camions, tous les bus, ils ont les autocollants. Exactement, les vignettes d'angle mort. On en parlait la dernière fois, je sais pas qui a eu cette idée. Je ne sais pas qui commercialise et qui possède l'usine, mais si j'avais su avant, j'aurais acheté des parts. Parce qu'à 3 autocollants par camion, je peux vous dire qu'il y a de l'argent qui est parti. En effet, c'est le petit autocollant. Et c'est vrai que quand t'as une peinture perso, comme bah, les collègues un peu plus loin, là, ça doit faire chier de coller des autocollants dessus. C'est clair. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a fait un petit truc sympa. Donc on est 6, peut-être plus, il y en a qui nous rejoignent, on verra. Maxi, c'est 8 en privé. Et Renault Truck, Scania, Renault, Scania, donc pour le moment il y a 2-2. Mercedes. Scania, et après c'est quoi au bout, Mercedes? Mercedes, Scania, Scania. Ah, donc Renault, Scania a gagné. Renault. Bien joué. Scania, bien joué à vous. Scania, 3 points, vous êtes tous en V8 j'imagine? Ouais. Scania V8. Je vois, ouais. Parfait. Bon bah voilà, bon bah GG pour les Scania, c'est vous qui gagnez cet épisode. Alfast, on te suit, on te follow, on a dit. Yep. Et j'ai ma vue que Prophète m'a filé. Comme ça, vous pourrez pas dire que c'est dégueulasse. On te suit. Fais-nous rêver. Il y aura des ellipses, bien évidemment, mesdames et messieurs, parce que vous étiez bien 35 heures. Ça va être compliqué. C'est tellement RP, on entend même le siège de je sais pas qui. C'est moi, malheureusement. Je suis désolé. Ah ouais. Non, mais il n'y a pas de mal. Après, si tu pouvais jouer debout, peut-être pour la vidéo, tu sais, pour ouais, le son. Ouais. Et du coup, je tourne le volant avec quoi Twitch, ça vous dérange le bruit de la chaise? Vous voulez qu'il joue debout ou pas? On est vraiment là pour votre plaisir. Nous sommes vos serviteurs. Laissez-moi tranquille. Est-ce que vous voulez qu'il aille chercher une chaise dans son salon? On est vraiment, Twitch, vous me dites, YouTube, il y a un souci, on est là pour trouver des solutions. Oui, lève-toi. Ok, parfait. Prophète, tu peux jouer debout, s'il te plaît? Et c'est 35 heures. Vraiment, Prophète, ça va vite, je te jure. Pour la peine, regardez, écoutez. Non mais Prophète, sérieux, c'est bon, il y en a pour 2h30, il joue debout, tu vois. Oh oui, 2h30. Avec les pédales et tout, vous savez, il va faire des claquettes dans une demi-heure, c'est bon, il a mal au pied. J'ai pas le temps par terre aussi. C'est quoi le léger problème? C'est vrai. La voiture est tournée, du coup, les Benjis avancent pas, du coup, on va devoir... On t'enverra du WD-40. Ah bah c'est bien. Bah commence de suite à te mettre debout, Prophète, hein. Vraiment, parce que là, c'est un peu calme, profites-en. Bah là, ça bouge pas, donc... Allez, en avant, qu'est-ce qui s'est passé? Tain, c'est dingue qu'on ait des soucis, même alors qu'on joue avec des PNJ. Il y en a VP. Bah, oui. Bah non. Ah merde, bon, on est bloqué nous. Non, c'est bon, on peut passer. On peut passer, t'as vu la taille de nos camions? Bah... Oh là là. Attends, mais il y a un réel AVP du coup? Bah ouais. C'est Alphaz qui l'a retourné ou c'est... Non, c'est un AVP RP. Oh putain, ah mais il y a les gens. Ah oui, merde, je suis passé au rouge. Moi, je passe aussi. On fait tous des erreurs dans la vie, hein. Ouais, ah, j'avoue, c'est marrant en fait de conduire avec les PNJ. Ça, je vais le verrer, en fait, il sert à rien, mais on va être trop... Vas-y, moi je suis derrière Alfast, tout le monde suit? Ouais. Parfait.
Et pour ceux qui cherchent des DLC, ils sont dispo sur Instant Gaming, mesdames et messieurs. Et bientôt, on vous fera un tuto pro mode. Il y a une mise à jour sur la pro mode. Et avec Alfast, notre professionnel tuto pro mode, bah, tuto arrivera. Voilà. Tu iras voir le tuto, prophète ? Pour la pro mode ? Oh putain ! C'est parti pour attendre 10h. Oh merde ! Mais je l'ai pas vu ! Mais je sais, c'est un poids lourd, mais je l'ai pas vu. Excusez-moi, monsieur. Bon, moi, je me mettrai debout. Attends, je vais tourner la tête, ça sera plus simple. Vas-y, me laisse passer. Merci ! Après, il me laisse passer, enfin, je pense qu'il se dit... Plus danger. Ouais. Excusez-moi, je suis désolé, je suis confus. Je te colle, comme ça, moi, il me bloque. Voilà, voilà, prends le stop. Hein. Ah bah après, ça... Voilà, qui n'a jamais accidenté un poids lourd, tu vois ? C'est courant, les accidents de poids lourd, dans ta région ? Bah, il y a un poids lourd, le 11, là, qui a cramé sur l'autoroute. Oh, comment ça prend feu, un poids lourd ? Bah, il suffit que ça frotte un peu le réservoir, et puis... Puis voilà. Ok. Donc ça se retourne, et en plus, le moteur, c'est devant, donc... Ouais. Il suffit que ça tape un peu fort... Ah ouais, merde ! Et du coup, le chauffeur, il est en mode... Pourvu qu'il se passe rien ? En mode RIP entreprise quoi. Ouais, non, mais je veux dire, le chauffeur il a rien. Non, il avait rien. Ok. Il est sorti avant que ça soit trop. C'est vrai, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il faut le présenter, vous savez, c'est comme quand on présente le roi, faut l'annoncer. Donc, Prophète est sous-officier, il a le permis poids lourd, il conduit les camions de pompiers. Voilà, histoire de présenter correctement Prophète. Et il nous fait l'honneur de sa présence ce soir, alors qu'il pourra aller sauver des vies, très clairement. Moi, je suis pas de garde ce soir. On apprécie. On apprécie fortement. Mais c'est bien payé, sous-off ? C'est vrai ? Est-ce que c'est bien payé ? Moi, je veux savoir. Alors, nous, on est payé, c'est pas un salaire fixe, on est payé sur l'intervention. Ah, t'es payé par intervention ? Par intervention, par heure, passer sur intervention et comment tu c'est salaud, non ? Non, c'est... Bah, du coup, ça pousse à faire du rabio. Peut-être qu'au lieu de mettre 3 plots, t'en mets 10. Bah non, parce que t'es limité. On est pas sur téléphone. Pourquoi tu dis ça? Bah c'est pas censé être réaliste. À 4L? Ouais. Toi qui dis c'est la vraie vie. Bien sûr. Bah ouais, c'est la... moi c'est ma vraie vie à moi, c'est pas de ma faute si ta vie elle est bizarre. Non mais ouais voilà, après... Non, c'est... Bah après on sort pas souvent tout ce qui est engin feu, tout ça. Ouais. Sans vachement de VSAV, enfin plus de VSAV que de... Oui, après c'est un peu normal, parce que je crois que c'est 90% des inters, c'est du secours à personne, ouais, non ? Ouais, c'est du secours à personne. C'est vraiment véridique cette info ? Ouais. Après, pareil, ça dépend des centres. Mais, ouais, oui, j'imagine évidemment... C'est plus de secours à personne que d'incendie. Peut-être que quand t'habites à côté d'une forêt, le sud, tu décales plus pour incendie que pour autre chose. C'est ça, ouais. Moi, l'été, il y a 2 ans, j'ai décalé. Après, ça... Quand tu décales le plus, généralement, bah, c'est l'été. Moi, il y a 2-3 ans, je crois que j'ai décalé en Corse. Ah, mais c'est parti, quoi ta région ? Ah oui, tu fais du volontariat, tu peux prêter main forte dans le sud, c'est pas ça ? Ouais. Tu peux partir en Corse, Perpignan, tout ça. Donc on avait pris les ferries, on avait fait la route avec les CCF. Ah, ça doit être stylé, ça. Et t'as conduit les CCF ? Ouais. Ah, la classe. Il mérite un pouce bleu, ça. Et est-ce que t'as pu tester le système de protection ? De protection, ouais, de la cabine ? Ouais. Alors ? Bah c'est comme s'il pleuvait un torrent d'eau sur toi. Ah ouais, à ce point ? Et ça dure combien de temps ? Ça dépend des litrages de ton CCF. Mais le minimum, t'as forcément minimum ? 3-4 minutes. Ah oui, quand même. Bah t'as tout le camion en face de eux, comme je t'avais expliqué à l'info, c'est... 3-4 minutes, c'est pas mal, j'aurais dit moins, tu vois. C'est sur le trou, c'est sur les trous des barres. Ouais, je sais, on le vous montrera, on ira faire RP pompier, on vous montrera ça. Bah ouais, je sais, mais je pense 3-4 minutes, ça... Moi je pensais que c'était genre un truc de secours d'urgence, tu vois. Et qu'en mode, c'était rapide, ça, mais 3-4 minutes, super vite, quand même. Oui, non mais j'imagine, quand t'es bloqué dans un incendie, oui, j'imagine bien. C'est ça. En plus, j'ai vu des... Moi, c'était des vidéos, c'était en Australie, il y a quelques années, ou même encore peut-être cet été, ils ont eu des putains d'incendies, et t'as l'impression que c'est les enfers. Le ciel est rouge, t'as de la fumée partout, tu vois rien à 10 mètres, t'as vraiment l'impression que c'est la fin du monde, tu vois. Mad Max. Après, c'est 3-4 minutes, mais attention, quand le camion est plein à ras-bord. Hein. Ouais, quand après, t'as pas tiré derrière, dedans. Il faut que... T'as des lances qui sont branchées, que t'as des... Mais j'imagine que, logiquement, si c'est bien fait, il y a une réserve qui est réservée à la protection de la cabine, non ? Non.
Ah, même ça tape pas dans la cuve du camion. Ah, je pensais... Tu vois, si c'était moi qui l'avais fait, sur A4L, on aurait mis en place une cuve exprès. Tu vois? Voilà. Ouais, après, ça peut. Non, mais je sais pas, c'est étonnant qu'ils aient pas mis en compte, enfin, une réserve qui te dit, attention, si tu tapes dans cette catégorie, genre si tu laisses moins de 100 litres de flotte, c'est un exemple, hein, bah, potentiellement, tu pourras pas protéger tes mecs à l'intérieur, tu vois. Ouais. Parce que comme t'es envoyé en incendie, ça semble logique que tu utilises tes réserves d'eau. Ouais, non, ça tape direct dedans. Après, c'est au conducteur et au chef d'agré de faire attention de combien il reste dans le camion de flotte, quoi. Ok, ouais, c'est sympa. Et du coup, j'imagine tu l'as utilisé hors intervention, c'était pour essayer. À chaque fois qu'on fait une prise de garde, on teste tout le matériel. Putain, ça doit être tellement stylé. Et quand t'es à l'intérieur... En fait, ça fait comme quand tu mets ta voiture au rouleau que tu restes à l'intérieur. C'est ça. Ok, ouais, j'ai déjà fait ça. Moi, je suis quelqu'un d'aventurieux. Sans les rouleaux, mais ouais. Oui, bah, j'imagine bien. Est-ce qu'il y avait des meufs autour avec des éponges comme ça qui... Est-ce qu'ils étaient en bikini ? Enfin, des meufs, des gars, comme tes pompiers. Bah, le calendrier de Macapoil, c'est pas ça ? Ah non. Ah, moi je pensais que c'était parce que vous aimiez entre vous. Et que la BSPP qui le font. Comment ils tirent sur les collègues. Il y a que la... Alors, la BSPP peut-être. Mais nous la non. La BSPP, je crois qu'ils font torse et poil. Oui, les c'est ça. Aussi, le font. C'est pour ça que je dis ça. Parce que c'est un calendrier où ils sont tous à poil et. Et parce qu'ils sont tous musculeux aussi. Ils sont remplis de muscles aussi. Ça explique pourquoi. Enfin, bref. Non, mais. Non mais après t'es plus, mais bon, ouais non mais écoute y a... vais, écoute on a pas, chacun notre physique y a pas de problème oh, comment il tacle tout le monde. Alors si parmi nous l'adjudant de sa caserne est là, sache qu'il voilà potentiellement un renforcement musculaire peut être demandé. Oh, mon dieu, tac, comment il tire sur les collègues. Moi ça m'aurait tellement pas plu. Viens, on retrouve sa caserne, on clip, on envoie. Moi je t'avais dit, t'as le droit de garder de silence, de répondre en présence de ton avocat, et tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Tu vois, j'avais prévenu en début de live. Non, c'est pour elle, il sera en votre. Transformé, détouré, et ouais, exactement, j'avais prévenu. Ok, ouais, c'est stylé. Alors, les incendies de feux de forêt en CCF, c'est comment? Ah, c'est une dinguerie, c'est trop bien. Ouais. C'est beaucoup... Surtout quand t'as les Canadair qui passent. Ouais, j'avoue, ça va être très 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 impressionnant. Mais ouais, les Canadair, quand ça tombe genre très proche de toi, t'es obligé de te foutre sous les CCF parce que ou de monter dedans parce que c'est. Ah ouais. T'as tellement de je sais pas combien de litres d'eau ils tombent, mais. Bah sur les photos, tu vois, j'ai déjà vu les photos ou des vidéos de loin, t'as l'impression que c'est pas si énorme que ça, mais je pense qu'en fait. Quand t'es en bas avec la chute, c'est incroyable. On a vu, ça doit faire un peu comme un bombardement, non? Ça tremble ou pas quand toute cette masse d'eau elle tombe? Ouais, ça doit être un truc de fou quand même. Hein. Mais ça peut te péter un carreau de bagnole, quoi. Ah ouais, bah j'imagine bien. Tu peux te dire déjà la puissance de la retomber, quoi. De toute façon, 1 litre c'est 1 kilo, tu mets ça avec la vitesse et tout, oui. La vitesse de chute. Pare-brise et tout, ouais. Et c'est vraiment efficace? Ouais. Ouais, ça éteint vraiment bien, ouais. Ok. Pourquoi on n'achète pas 500 Canadair alors? Et on fait que ça en Canadair? Parce que c'est cher. Ah, c'est l'argent. Un Canadair c'est ultra cher. Comme là en plus récemment, y a un dragon qui s'est crashé là. Oui, bah c'est quand? La semaine dernière? C'était hier, j'ai lu ça. J'ai lu ça en effet. Il y a un dragon qui s'est planté. Sans faire de mauvais jeu de mots, c'est réaliste pour le coup. Oh, c'est le freinage, attention ça freine. Oui. Ça arrive. Non, pas moi. Mais oui, il y a les travaux. Mais Alphas, pourquoi tu dis jamais quand il y a les travaux? Je suis venu, vous m'entendez pas? Bah, parle à la CB, Alphas. Sois RP. J'ai pas entendu le Alphas. Attention, travaux là sur la route DD40. DD40, attention. À toi. Alphas, tu pourrais faire un effort de roleplaying quoi pour les gens. Eh, j'ai juste eu glace parce qu'il pleuvait. Je sais même pas pourquoi il... Comment... C'est quoi la touche pour le... P. Waouh. Tu le saurais si t'avais révisé ton permis poids lourd. Bah oui, bah c'est ça. Non, c'est pas pour les essuie-glaces, c'est pour la CB. Il y en a pas de CB là. C'est... Ah. Ah, il y a vraiment une CB? Hop. Oui. Ah bon? Ah, je sais pas. On m'entend? Ah non, moi j'ai mute.
Ah oui, non, moi j'ai mis tout le monde, moi. C'est la dernière fois qu'on faisait ça, il y a un gars, il disait des conneries. Je fais bon, on va arrêter parce qu'on va se faire démonétiser. Ok, moi bon, c'était pas mal. Si tu devais poser une question à un pompier alpha, ce serait quoi? Un pompier sympa. Merci Alphast. Merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention, ça fait plaisir. J'ai hésité, enfin je voudrais peut-être faire pompier volontaire, mais je me dis, j'aime pas tout ce qui est le sang et tout, j'aime pas ce genre d'opération. Est-ce que t'aimes bien la violence? Pourquoi la violence? Dépend. On va pas chercher à 6h du matin. Ah mince, je confonds de métier, excusez-moi. Non mais... Mais bon, enfin après c'est tout ce qui est sang donc ça me plaît pas. Ouais. Il y a beaucoup de sang dans ton métier? Ah c'est vrai que ouais quand même. Je pense en VSAV tu dois avoir des horreurs à mon avis. J'en ai vu des... J'ai vu des choses, ouais c'était pas très... Tout ce qui est accident de la route, ça va être... J'ai vu des choses... Faut réussir à se détacher et se dire c'est pas un être humain parce que je pense sinon tu rentres chez toi t'es pas bien. Hein. Bah... Après, quand tu vas sur des intercoms, enfin c'est après c'est un peu facile à dire, mais quand tu vas sur des inter comme ça, tu sens qu'il va y avoir quelque chose. Honnêtement, il faut que tu prennes, tu débranches le cerveau quoi. Tu vas en mode, enfin il faut qu'il soit neutre le maximum. Quoi. Pas que tu t'attaches aux détails, ouais, tu commences à te poser des questions métaphysiques. C'est pas là, si tu vois un bout de bras, c'est pas là, tu vas te dire, est-ce que je le prends? Non, c'est tu prends, tu mets, et après tu réfléchis. Après, tu débriefes après. T'as des psys, non? Ouais, il y a des psys, ouais. Mais toi, t'en suis aussi pour l'alcool, c'est ça que tu me disais en privé? Pas du tout. Ah. Ah non, non, non. Ok. Qu'est-ce non, il y a pas de mal. Pas de mal, c'est mal. En plus, tu m'avais dit de pas le dire, excuse-moi. Ah non, mais c'est un secret entre nous. Oh, c'est quoi ce jeu? Pourquoi c'est le bordel? Là, c'est des flics. Et attends, c'est quoi ce balisage encore? On est en Allemagne, c'est différent. Non, mais la poche, qu'est-ce qu'ils font? Il pourrait baliser avec l'hélico quand même. Ça, c'est encore plus beau, ça. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas possible. Il y a Max qui demande, est-ce que l'eau, ça mouille? Ouais, et le feu, c'est chaud. Voilà. Et Mickey Mouse. Et Mario Bros. Oh! Et Donald Duck. Ouais. Oui, c'est pas... Au basket, un duck. Un dunk, du coup. Ouais, bah c'est bon, c'était pour le jeu de mots. On peut moi aussi, je peux être rigolo si on m'autorise un peu de... Voilà, c'est bon. Un peu de parler, s'il vous plaît. Laissez-moi mon temps de parole, s'il vous plaît. T'as assez parlé de toi, à moi de parler de moi. On va tout droit. Vas-y, rentre-y. Moi, il me demande toujours la droite. Ouais, mais ça va être plus rapide. Ah. Vas-y. On va passer par la vie. Ouais, c'est stylé. Et d'ailleurs, conseil, n'hésitez pas à mettre votre jeu sans autoroute, parce que c'est vrai que... l'autoroute c'est marrant mais là c'est quand même mieux. Ça suit derrière ou pas? Ouais ça suit ouais. C'est juste que y a une VL qui a fait un clignotant au dernier moment. Ah c'était en option. C'est ça. C'était dans le pack luxe. Le pack confort de l'auto il l'a pris qu'après. Ah bah c'est stylé. C'est cool. Qu'est-ce que c'est bio. Heureusement que je me suis déporté. C'est vraiment magnifique. Putain par contre je galère. C'est comme mes abonnés, c'est une région vraiment magnifique. Vraiment incroyable. N'est-ce pas? Regardez comme comment c'est tu bon. Prends large, David. Bah écoute, la c'est soit ça. Ça, c'est l'habitude, l'habitrude. J'en étais sûr. C'est comme le mamite à l'époque où tu sortais, ça. C'est mamite! C'est mamite. Putain. J'ai reçu des plaintes, j'ai dû arrêter. Ah, du coup tu dis ta bite? J'ai reçu des menaces d'une association de papillons qui ne souhaitait pas, c'est ça, qui ne souhaitait pas être assimilé à moi. Ils ont dit non, on veut pas, on aimerait que vous arrêtiez, laissez-nous tranquille. C'est pour ceux qui savent pas, une grosse mite, c'est un gros papillon. Enfin, en gros, ça a des ailes quoi. C'est pas un oiseau, Alphast. Y a pas que les oiseaux qui ont des ailes pour information. Et voilà, c'est ça, la blague était marrante. Mais en fait, parce qu'il faut avoir la ref. En fait, pourquoi je disais une grosse mythe? J'ai même une tasse, je sais pas où elle est, mais j'ai une tasse où c'est écrit j'ai une grosse mythe. Voilà. Attends, mais c'est vrai en plus. Attends, Léo. Oui, t'en avais une. Bah, je la vendais sur la boutique, j'en ai vendu plein d'ailleurs. Moi, je sais pas où elle est. Bon, enfin, bref. Oula. Ouah, qu'est-ce qui se passait? Double. Tu peux doubler, y'a pas de véhicule qui arrive. Bah, y'aura juste tas de travaux. Stage 1, échangeur Wagner.
Et du coup, ça vient d'une blague, ah, en fait. Désolé. Mais si on n'a pas la ref, on n'a pas là, on comprend pas forcément. C'est un gars genre qui va voir un, qui parle à un de ses potes et il dit ouais, je connais un gars, il exauce des vœux. Il dit ah putain, trop bien et tout. Tu vois, tu veux ce que tu veux et puis il exauce les vœux, etc. Tu vois. Et genre le mec, il a un billard. Il fait oh, ok, putain, il est sympa ton billard. Vas-y, bah j'y vais et on va voir ce qui se passe. Et du coup, donc le mec, il va voir le pote du gars qui exauce les vœux. Et il fait ouais, voilà. Je voudrais une grosse bite. Tatadam, tatadam, Mickey Mouse Disney, pouf. Et il retourne voir son pote. Il fait ouais, putain, c'est nul, il m'a filé un papillon, j'ai une grosse mite à la place. Les gars, il dit parce que moi, tu crois que je voulais un billard? Oh, aïe, 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 aïe. Il voulait un milliard. Je raconte extrêmement mal la blague, je suis désolé. Mais enfin voilà, ma ref, elle vient de cette blague en fait. Moi, je pensais que toujours, tu sais, je pensais que tu voulais censurer le mot bite et que tu disais mythe. Mais oui, c'est... Putain, mais vous avez pas de second degré, c'est pas possible. Non, mais... Maintenant mais tu oui. racontes de la... Non, mais oui, bien, évidemment, voilà. Non, mais le but de dire j'ai une grosse mythe, c'est évidemment la beaufrie ultime de dire j'ai un sexe énorme. Mais je l'ai, ça vient de la blague du... est-ce que tu crois que je voulais une grosse mythe? Tu vois? Vous méritez pas, clairement. Mon humour est transcendant. Ce type d'humour, oui. Ton humour est transcendant. Je suis extrêmement déçu. Freinage. Oh oui, je suis à l'arrêt même. C'est marrant comme on fait tous le... Ah putain, il y a des trains dans le jeu, je savais pas. C'est la première fois que je vois des trains dans le jeu d'ailleurs. C'est plutôt intéressant. Ah ouais, bah oui. Bah d'habitude je prends l'autoroute, alors si tu veux des voies ferrées qui traversent l'autoroute, Alfast. Je sais que t'es jeune, et sache que ça n'existe pas. Y'a qu'en Pologne et en Russie que ça existe, des trucs comme ça. Parce que quand tu vois les... Ou en Chine, oh, quand tu vois là. Quoi. Eh, je m'en fous, je passe. Évidemment, ne faites pas ça. Parce que je passe avant le train. Et est-ce que tu sais pourquoi? De quoi? Parce qu'un train peut en cacher un autre. Ah oui. Mais là, y'a qu'une rail. Et alors? Bah, mais ça va que dans un sens. Bah oui. Et du coup, ils peuvent mais se suivre. Ils peuvent se suivre. Et ah oui. Mais Alfast. Mais les non, jeunes. Mais oui, mais... Oh là là, ça c'est un futur pompier volontaire. Ça, oui, mais en cache un autre, c'est dans. Hmm. C'est dans le sens contraire qu'il cache. C'est gentil d'aider au malaise de cet épisode, parce que j'y arrive souvent tout seul très bien. Je te remercie de vouloir aider Alfast. Mais non, mais l'expression en cache un autre, c'est qu'il y en a un autre qui est derrière mais non, l'autre. Mais c'est pas une expression, c'est les panneaux, c'est ce qui est mis à côté des voies ferrées. Oui, je sais, mais. En fait, je crois qu'il faut s'arrêter pour ça veut dire qu'il y en a un qui en cache un autre. Et pas qu'il y en a un qui le suit. C'est quelle touche la radio? X. X. Fais-nous ta pub, Benjamin. Non, je voulais instaurer un peu de malaise après ce qu'avait dit Alpha, je trouvais ça marrant. Ah, okay. Moi, je suis quelqu'un de sympa, tu vois, je suis là pour mettre à l'aise les gens. Et tu crées un gros mamite. C'est mamite. Non, mais j'ai une super tâche, la Vendée à l'époque. Je sais pas où aller, bon, j'irai voir. Mais aller quelque part, mais... En fait, si on se pose deux secondes, je cherche... Vas-y, on se met... Non, allez, soit derrière moi... Attends, je ralentis. Attends, je mets une première. Je mets une deuxième. Vas-y, attends, allez, normalement, il est derrière moi. Ils sont... j'en ai fait. Oh le camion. En plus je l'avais acheté. Attendez, elle est incroyable. Ouais, si. Eh mais je le savais bien. Bon, je pense qu'on a éclaté le camion. Non mais ça valait vraiment le coup la tasse. Il cherche la tasse mamite. C'est bon, je suis là. Je vais vous montrer, elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors. De quoi les SPV, il y a un souci? Ah, on a d'autres SPV dans le chat. Bienvenue à vous les gars. On en a parlé tout à l'heure, regardez. Note sur le live. Voilà. Ça, c'est collector, la boutique, je l'ai fermée, mais avant, je vendais des tasses comme ça. Aussi grosses que ma mythe. Et j'avais expliqué, je disais, lors de ton premier date, tu vois, quand t'invites ton partenaire, tu vois, quelqu'un avec qui tu souhaites engager une activité physique, avec qui tu souhaites le coït, de façon régulière, consentie et protégée. Tu sais, tu proposes un thé, tu vois, pour détendre l'atmosphère. Et toi, tu gardes la tasse comme ça, tu sais. Voilà.
Tu vois, chérie, ce thé-là, il est plus gros que ma bite. Non, mais après, vous y connaissez rien en poésie, de toute façon. Je vois même pas pourquoi je vous parle. Mais, voilà, pour les amateurs de poésie, je suis sûr que les demoiselles, elles trouvent ça très charmant. Elles se disent, putain, ce mec a de l'humour, j'adore. Ce mec est génial. Il y en a de Rose. Bienvenue, bienvenue. 72, Rose du 8 mois. Voilà, c'est... Comment vous croyez que j'essaierai ma cousine? Petite tasse, petit thé. Putain, David. Petit thé à la menthe. Je vais y aller. En avant. Une petite à la menthe, une grosse mythe, et puis en avant marche. Voilà, une petite tasse, et puis on est parti. Alors là, il y a un chouette accident, on va voir si ça travaille bien. Un petit triangle, j'aime beaucoup. Après, on a un petit camion. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour toi, prophète, toi qui es pompier. Oh, petit incendie. Petite ambulance. Alors, un peu en contresens, mais bon, ça passe, j'aime bien. Tiens, prophète. Toi qui es sous-officier pompier. Pas sur A4L, si hein, si évidemment. Je peux répondre. Oui, non, mais c'est un sujet qui est très intéressant. Alors, je pense que tu le sais, mais est-ce que tu... Alphast, on va prendre Alphast. Alphast, il sait pas, je pense. Alphast, est-ce que tu sais qu'on parlait que toi, tu voulais être pompier volontaire? Oui. Mais la vue du sang, t'aimais pas trop ça. Ouais. Mais est-ce que tu savais, Alphast, que dans d'autres pays, eh ben, c'est découpé. T'as les firefighters combattants du feu et les medics, comme par exemple aux États-Unis. Oui. Ou quand t'es pompier, tu fais pas de sang, tu fais que de l'incendie. Tu le savais? Oui. Peut-être. Bon, maintenant t'en es conscient. Bon, et ben la question c'est pourquoi en France c'est pas ça? Je pense à mon avis tout simplement problème d'argent. Ah. Parce que ça doit engager, je pense des moyens colossales. Ah bah ouais. Pour faire. Faut tout en double. C'est ça. Pour faire. Une caserne avec que des VSAV et une caserne avec que des FPT ou des FSR. Ouais, du véhicule d'incendie. Je pense que ça doit engager des moyens extraordinaires, donc je pense qu'à mon avis... J'ai pas la réponse. Je pense que c'est ça, après je sais pas si quelqu'un d'autre a la réponse, mais moi pour moi ça serait ça serait plus logique. C'est un peu découpé quand même, parce que t'as ambulance et SAMU... Ouais, mais après SAMU c'est différent parce que c'est dans un hôpital. C'est pas dans dans une caserne pompier. Mais t'as les ambulanciers privés aussi, attention. Ouais, mais ça n'empêche pas que t'as des VSAV pompiers. Dans ce cas-là, autant arrêter les VSAV pompiers et les mettre qu'en incendie. Ouais, mais après, si tu crées... Y a pas non plus tant d'incendie que ça en France. C'est vrai que si on compare aux États-Unis, on reste quand même un petit pays, tu vois. On est du pipitcha au niveau des sanctions internationales. On est... Puis est-ce que vraiment il y aurait nécessité d'avoir des centres d'intervention pour faire que de l'incendie? Ou est-ce que du coup il y aurait pas plutôt un vide au niveau des ambulances, tu vois? Parce que si tu dis au mec à partir de maintenant c'est soit incendie soit secours à personne, comme en France 90% des inters c'est du secours à personne, peut-être que tout le monde vote incendie. Toi si tu pouvais choisir, prophète, tu ferais quoi? Si je te disais demain c'est soit incendie soit secours à personne. Secours à personne. Ah ouais? Ah ouais. Mais quel mytho, il y a 2 secondes, il vient de nous dire qu'il voulait aller dans le sud faire des incendies. Mais non, mais ça, c'est... J'ai pas dit ça. Mais si, t'as dit que ton meilleur moment, c'était ça. Oui, c'est le meilleur moment, parce que c'est la convivialité, c'est tout. C'est mieux de faire du SAP. Ah, tu préfères le secours à personne? Ah ouais, parce que tu dégales plus. Ah ouais, c'est vrai, il est payé, oui, c'est vrai, il y a un ratio à l'argent, on est sûr, oui, c'est vrai. Non, mais on oublie l'argent. Et mais t'es vraiment un gros rat, hein. Mais comment mais ça, c'est toi qui demande de me pompier volontaire là. Mais attendez, non, parce que YouTube, il sait pas, YouTube, il a pas eu toute la discussion. Il y a une heure, on discutait du salaire, etc. Faut venir sur Twitch, les gars, pour tout mater. Et en gros, Prophète m'expliquait que plus il décale, plus il touche d'argent. Évidemment, il y a plus d'accidents de voiture que d'incendies de forêt. On résume, hein. Et donc, du coup, s'il décide de prendre que de l'incendie, même s'il a très envie de faire ça, il touchera beaucoup moins d'argent que s'il fait que du secours à personne. Et donc, du coup, il veut faire du secours à personne pour toucher la moule là. Mais s'il n'y avait pas le côté argent, si je te disais t'es payé pareil, tu préfères faire quoi? Le choix est compliqué quand même. Ah ouais? Ah, le choix est compliqué. Non mais t'as la même argent, hein. Ouais, non mais non. T'as mais assez pour ISAP chez Monsieur A Super tous les mois pendant des années. Vas-y, je ralentis. Même sans parler d'argent, le choix est très compliqué. Ok. Parce que les deux sont très 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 intéressants et les deux bougent donc. Ah, mais il y en a quand même un qui paye plus que l'autre. Hein. C'est blanc. Ah non, c'est pareil. Le taux horaire quand tu pars en FPT ou quand tu pars en VSAV, c'est la même chose. Ah, je pensais que t'avais une prime de risque en plus quand t'étais en incendie. Non. Alors là, dans l'olive. non. Là où tu pourrais potentiellement en avoir une, c'est quand tu pars sur des renforts en Corse ou autre.
où là peut-être que tu peux en avoir une ou même un supplément en plus. Mais ouais, et encore. Ça. Moi j'aurais ça, dit quand... j'aurais dit incendie, tu vois. Je pensais que t'aurais répondu ça. Oh, non. C'est pour ça que même sans por... même en parlant d'argent ou sans por... forcément parler en argent. Non, moi le sap. Ouais, c'est bien. Félicitations. T'es mal à taille du rat, aucune passion. Sylvio. Allons, laissez-le par ses tranquille. Bras. Non, mais dis, laissez-le tranquille. Et merci à Nadroge et à Juste pour les subs, ça fait très plaisir. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez continuer d'appeler le 18, vous aurez toujours des courageux volontaires pour venir vous sauver. Parce qu'ils vous préfèrent, vous, à l'incendie, mais ils adorent l'argent. On peut résumer ça comme ça. Les plafards dans la cabine, vous avez vu? Tiens. Ça c'est bien un coup. Ah ouais, si je fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tiens, discothèque. Allez, voilà. Allez, je t'esquivais, voilà. Moi je fais ça, moi les gars, sur l'autoroute qui me font des plafards. Gros coup de frein à main là. Voilà. Ça t'a fait tester tes plaquettes? Là. Tu sais, ça me fait penser à un truc. Une fois j'avais vu ça sur une page. Moi je suis sur pas mal de pages tuning. Et t'avais, je vous jure, c'est vrai. Alors peut-être c'était du troll, hein. Tu sais, quand tu freines d'urgence comme ça, comme tu viens de faire la nuit, tes disques ils rougissent. Ouais. Et du coup, ça fait un petit effet un peu joli en photo ou en vidéo. Et il y a un gars sur. Alors c'était peut-être du troll, mais peut-être pas, parce que c'est possible que ça ne soit pas du troll. Le mec demandait comment il fallait faire pour avoir des disques comme ça. Mais non. Parce qu'il trouvait ça joli. Et il voulait la même chose la nuit que ses disques s'allument. Tu sais qu'il y a un effet de lumière. Tu prends ton disque, tu le mets dans du magma et puis tu freines très très fort pendant très longtemps. En fait, t'accélères avec, avec les plaquettes sur les disques. Du coup, voilà, ça me fait penser à ça. Attends, on est à Prague. J'ai jamais été à Prague. Deux tiers, je pense. Nice. On avance bien, madame. Ça fait plaisir. Je ralentis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un camion qui a coupé la route. Il y a un camion qui est couché? Qui lui a coupé la route. Ah merde. Oh, wesh. Ralentissez très très fort les gars. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une remorque en feu. Ah merde. Bah prophète, va aider. Je vais pisser dessus. Ah ouais, putain c'est trop stylé. Et en plus y'a le gars qui est à côté. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, et ça déboîte ce jeu. C'est incroyable. Et ça on l'aurait pas eu si on avait été en multi. Sur toi KMP. Non. Ah ouais, t'as le gars qui est là. Mais là, du bol, il a réussi à. Je sais pas comment il a fait pour désappeler alors que c'est une remarque. Après, j'ai pas vu l'étiquette derrière. Il y avait angle mort. Non. Il transporte des angles morts, je crois. Il y a un remix dessus, c'est pas angle mort, c'est mange tes morts. Ah ouais? Il y a un remix, ouais, il y a une étiquette. Les mecs, ils ont. Ah fait, oui! Ils ont troll et ouais, ça tournait vachement sur Twitter. Ah, mais je pense que tu te fais contrôler par les flics, tu te fais défoncer. Non, t'es mort dans le film. Prison, Fleury-Mérogis, quartier disciplinaire, on est là. Alfast. Attention. Oui, je te fais la discothèque dans ton truc. Gauche. Combien de kilomètres il nous reste? 730. Yes. La rue la vraie. Mais au moins c'est bien parce que quand tu prends pas l'autoroute, bah t'as le train. Ouais, et puis t'as beaucoup d'événements. Puis il y a les gros virages en épingle aussi. Incroyable. Perso, ouais. Ma section était quatrième au concours de manœuvre nationale il y a 3 ans. Oh, bien joué, Tiffin. Peut-être que je devais y être. C'est vrai? En national, peut-être, il y a 3 ans. Mais est-ce que toi, tu étais quatrième? Moi? Oui. Bah non, parce que j'étais en tant qu'observateur. Ah bah voilà. Pas participant. Comme c'est des viewers, tu pourrais faire un effort. Après, il est pas sub, donc tu vois ce que je veux dire? Tranquille. Après, je sais que... Il ira vérifier s'il met des pouces bleus. Il y a longtemps, je sais pas s'il était encore JSP, enfin s'il était JSP à ce moment-là, mais il y avait un congrès départemental. Ouais. Qui se passait dans une ville pas trop loin. Je vois rien. Il y avait Manuel Valls qui avait fait le déplacement à ce congrès. Non, c'est bon. T'as besoin d'essence ou pas de ton côté, toi? Personne? Non, bon. Vas-y, il y avait un hélico là sur le porteur. Moi, c'est bon pour moi. Vas-y, on avance. Combien de kilomètres il nous reste? 574. 574. Moi j'en ai 425. Je sais pas pourquoi. Nice. Mais parce qu'on a des itinéraires différents. T'as ta petite remarbé là. Regarde bien. Oh, putain, tu me l'as fait. Hop là, hey, j'ai pas touché. Wow.
Ah, mon camion, à cause de toi, il a 35 de dégâts, mon camion. J'ai pas touché. T'inquiète, ça passe. Ça passe. Un peu de WD-40, là. Il va falloir qu'on s'arrête à un garage, du coup. Venu connu. Voilà. Bah, à cause de toi, du coup, mon camion, je le fais en moto, d'habitude, ça, ça pose pas de soucis. Pourquoi ça passerait pas, là? Interfile, on a pas le droit en poids lourd? Bah non. Ah, je savais pas. T'imagines, sur le périph, mec en poids lourd. Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait, là? 400 voitures d'accidentés. J'ai pas touché, monsieur. Ouais, la voiture jaune, elle a un peu volé. Non, vas-y, tu peux. T'inquiète, je me mets en face pour les bloquer. Oh, putain, mais c'était pour t'aider. Je m'étais en face pour les bloquer, tu vois. En plus, t'as doublé sur ligne blanche, c'est pas très très sérieux, je trouve. Oh, c'est bon, bah, j'arrête. Allez. Ça fait plaisir de pouvoir rouler, là. Je suis à 117, 120. Non. Allez, Alpha, t'accélère. J'accélère. Et là, je suis en train de fly et tout. Il flex, le David. Ah ouais, non mais les routes là, en Ducati Diavel, je serai en fond de 3 du début à la fin. Laisse tomber, ça sera incroyable. En fond de 3? Ouais. Mais tu sais que t'as 6 rapports. Je les mets jamais, les autres. Ça va rien. Non mais en fond de 3, je suis déjà à plus de 150. Bordel. Vraiment? Ah bah ouais, en Diavel. Ça marche autant, bien sûr. Ah ouais, non mais c'est monstrueux, mais c'est un 1200 cm3. Ça fait combien tout plein fait? Ça fait 200 et quelques kilos et 162 chevaux. Ça ralentit beaucoup, beaucoup. Et c'est un couple de cochons. Et là en plus. Ralenti. J'ai changé de pignon. De base, c'est un pignon de 15. Je suis passé en pignon de 14. Donc je perds en vitesse max, mais je gagne en couple. C'est insolent. Ça lève en combien? Je lève pas. J'ai pas mis le mode sport encore. Mais t'en as, il lève. Mais attends, mais t'as vu la gueule de la bécane? Hors de question que je lève ça. Putain, merde, il y a les flics. Qu'est-ce que je fais? Bon, tant pis. Hein. Range les papiers. Perdu pour perdu. Range ton doigt. I don't speak English. Ah, faut y aller, faut y aller. I'm bilingual. I'm a polyglotte. Combien de kilomètres il reste? 225. Quand c'est qu'on arrive? Bientôt. Ok. Y'a Vincent qui nous a rejoint. On est arrivé. Vas-y, je passe aussi au feu rouge. Coucou Vincent. Pourquoi il fait de marche arrière lui? Encore quelqu'un qu'on a bousculé. Ça va, Vincent? Vincent, il est chauffeur polo dans la vraie vie. La dernière fois, il était avec nous, il nous racontait des anecdotes. On arrive! Là, on vient de faire 3000 km, c'est ça? Non, 1009, David. Ah putain, c'est mon côté marseillais, ça. Ah, le Marseillais. Excusez-moi, ça c'est les ch'tis versus les Marseillais, ça m'a. Ça va un non. peu. Non. Mais non, mais c'est pour YouTube, c'est pour faire un peu de vue, tu vois, pour. Excusez-moi. Mais ça m'a. C'était long quand même, on vient seulement d'arriver. Oh ah la cargaison de fin, je peux te dire que je me fais même pas chier à le garer. Je le fais direct. On est arrivé. Putain, il était temps. Ouh, ouais, c'était long. Ouais, je commence à avoir le dos qui transpire. Oh, 2 heures. Et vous, YouTube, ça a duré 38 minutes, ça fait 2 heures qu'on conduit. Oh, quelle horreur. Ah, moi, c'est bon. Là. Allez, je passe, confirmé. Je vais aller réparer mon camion. C'est bien, j'ai eu plein de succès. Excellent. Je vais aller réparer les conneries d'Alfast. Bah si, j'avais raison, j'avais dit 35 heures, ça en a pris 29. Normal, on a fait des... On est passé par plus rapide. Bah oui, bah du coup, j'avais raison, on a bien mis 29 heures, là, temps de transport, 29. Mmh. Bah j'avais dit 29, non? Je sais plus. Non, peut-être 35. Wouah, mais c'est les 10% de marge, ça. C'est la rue. C'est la marche marseillaise. Bah ouais, c'est la rue. C'est la rue. Bon, bah parfait. Bah bisous, Alphas. Bisous, Sean. Bisous. Je te plus Sean. Et puis, bah bien joué à Wandy, Vincent et Goss qui nous ont rejoints. C'était très cool. Petit pouce bleu, abonnance. Et merci à Olivier, Nadroge et Juge pour les subs. Ça fait très plaisir. Et, go faire un Tipeee pour. Tu peux te rasseoir en fait, prophète. Hein. Ouais, c'est bon, ouais, tu peux te rasseoir. Merci à toi d'être resté. Je me suis assis, alors attendez, écoutez. Ah, quel plaisir. C'est quoi ta chaise avec des ressorts dedans, là? Mais y'a pas de ressorts, c'est juste que ça fait longtemps que je l'ai. Et... À mon avis, t'es en surpoids dessus, je pense. Enfin bref, allez. Je suis pas en surpoids. Y'a juste mon numéro de téléphone qui s'affiche sur la balance. Allez, extrêmement drôle, ça. J'avoue, c'est juste mon numéro de téléphone qui s'affiche sur la balance. J'en avais une autre, mais je vous la dirai en privé. Allez, bisous. Salut. Vous venez sur Twitch si vous voulez l'entendre. Salut. Dis au revoir, Alphast.
Mais j'ai dit salut. Il a le sens qu'il y a école demain. Ah, c'est vrai, il y a école en plus. Allez, bisous.